Bonjour, nous sommes le 5 juin, le film sort le 20, donc à J-15. Et donc je suis maintenant en train de devoir parler du film à droite à gauche. On me demande pourquoi la musique, pourquoi... Avec beaucoup de bienveillance et de chaleur, parce que le film est pour le moment bien accueilli. Je reviens de Cannes où il est allé à la quinzaine. Et on a eu deux projections excellentes là-bas. Vraiment extrêmement chaleureuse, une bonne claque, ça faisait 20 ans qu'on applaudissait poliment jusque-là, parce que là c'est vraiment extrêmement chaleureux. Enfin j'exagère un peu, hein, mais... Et puis bah, là je reviens de Suisse, ça c'est chouette, mais j'ai beaucoup de mal, c'est un film, j'ai pas envie d'expliciter, enfin voilà, j'ai pas envie d'évoquer une quelconque généralité morale ou... Donc je résiste à ça, ce qui fait que dans les interviews, c'est pas facile parce que voilà, tout d'un coup, si on fait pas gaffe, on se retrouve à parler de la mort, de l'amour et de la mort. Donc je suis un peu dans un truc de résistance et j'ai une vraie tendance à répondre n'importe quoi. Avec un aplomb qui fait froid dans le dos. Et puis Denis répète sa pièce à Lyon avec Isabelle Candelier, Valérie prépare son film. Donc je suis un petit peu seul, là je vais partir à Strasbourg, puis à Tours, à Lyon, Aix-les-Bains, etc. Et voilà, la rencontre. Et... Non mais c'est très agréable parce que le film est très bien reçu et puis il a une belle courbe, enfin j'aime bien. Là j'ai vu que le public, ça... enfin, il y a une espèce de transformation d'énergie. Puisqu'on s'était pas revu depuis le montage, et le montage, voilà, il y a eu deux, trois... C'est un montage assez facile pour la première fois. Je suis très content de travailler avec Christelle de Winter, la monteuse, et... sans couper grand-chose aussi. Le film fait 1h40, ce qui est pour moi une victoire. Voilà, que rajouter d'autre, hein. Là, je suis très content parce qu'évidemment, les papiers sont bons, mais j'aimerais vraiment que le film fasse des entrées parce que, quand même, l'avenir d'un cinéaste dépend pas mal des chiffres du précédent. Eastwood disait ça, vous ne valez que par votre dernier film. Donc, le 20 juin, ce qui me paraît toujours extrêmement tard. Je suis pas. On a fait une bande-annonce qui est archi basique, j'aime pas trop, c'est une espèce de scan en vitesse rapide du film, enfin bon, c'est comme ça qu'on fait maintenant, enfin c'est pas nouveau, mais ça donne un sentiment que le film est trépidant, il l'est pas du tout, donc j'ai peur de faire des déçus. L'affiche, bah voilà, elle est sympathique parce qu'elle met en avant une photo d'un plan que j'espérais beaucoup de tourner avec Valérie et Denis dans une camionnette, tous les trois de face. J'avais très envie de ça, de ce filmage, enfin pas de ce filmage, de ce tournage-là. Et donc que ça soit sur l'affiche, c'est pas mal. Même si on avait des belles idées d'affiche, mais peut-être trop originales. C'est dommage que l'originalité fasse peur, quand même. Je suis crevé, hein, excusez-moi mon ton, un tout petit peu. C'est strictement le manque de sommeil. Et parce que je suis au fond très heureux. Hein. C'est tellement agréable le retour des gens. Il y a des vrais sourires. On va dire qu'ils vous aiment plus, quoi. Ou que tout d'un coup, ils font un peu connaissance. Enfin bref, c'est bien. Non, il y a beaucoup de gens encore que j'aime et qui n'ont pas vu le film, ça va être une vraie joie de les entendre en parler après, et les inviter surtout.